La Grande-Bretagne fait face depuis plusieurs années à une baisse drastique des investissements dans le secteur militaire. Néanmoins, Downing Street souhaite conserver sa position de puissance conventionnelle autour du globe, une équation difficile à tenir dans laquelle les Royal Marines Commando doivent trouver une nouvelle place. Aujourd'hui chez Defense Insider, l'avenir des Royal Marines. Le changement de doctrine. Les 20 dernières années ont vu l'utilisation des forces spéciales exploser. Pour assurer le contrat opérationnel, les armées occidentales ont donc fait évoluer certaines unités d'élite des branches classiques. Les Royal Marines se retrouvent désormais englobés dans ce mouvement. À l'instar du 75e Rangers de l'US Army, ces commandos sont l'une des 5 branches de la Royal Navy, tout en bénéficiant d'appui de la British Army. La complexité de leur intégration et les changements voulus n'en est donc que plus ardue. Le projet FCF, Future Commando Force, est une révolution doctrinale, structurelle et matérielle pour cette force d'environ 7800 hommes. L'objectif est d'avoir terminé cette réforme en 2023 afin de se synchroniser avec la marine qui de son côté met en place les navires nécessaires à la création de 2 Littoral Strike Group. Au niveau de ce corps d'infanterie spécialisé, ce basculement est nommé SOC, Special Operation Concept. La priorité est donnée à plusieurs types de missions. Tout d'abord, dans le bas du spectre, le contre-terrorisme et la stabilisation de zones de tension via les navires disponibles. On peut imaginer des groupes de commandos sur des rouliers modifiés en mode seabasing qui permettraient une stratégie globale à moindre coût et avec une forte adaptabilité au détriment des capacités de support. Ensuite, évolution vers la guerre hybride avec l'emploi du spectre cyber, des drones et d'actions non cinétiques. Enfin, décharger les forces spéciales dans le cadre d'un engagement en premier sur une zone littorale. Une nouvelle organisation. Tout d'abord, au niveau du corps. Dans le fond, la hiérarchisation des unités ne va pas changer. C'est l'attribution des missions et la répartition des spécialistes qui fera le sel de cette réforme. Le QG des Royal Marines à Portsmouth gardera le commandement direct des célèbres SBS, Special Boat Service, ainsi que les centres de formation, notamment pour les officiers, qui suivent un cursus différent de l'officier de marine classique. La gestion et l'emploi de la batellerie sous les ordres du QG sera renommée en Commando 47 Raiding Group. Le Commando 43 gardera la responsabilité de la protection des SNLE classe Vanguard, de leur base, ainsi que des ogives nucléaires. Au niveau de la brigade commando numéro 3 aura tous les groupes du génie rassemblés en une seule entité, les Commando Engineers. Certains conservent leur identité, comme le régiment logistique, le Royal Artillery Commando et le Commando 30 spécialisé en renseignement et télécommunications. Ce qui fait le cœur du fusilier de la Royal Navy et sous les ordres du brigadier seront toujours les célèbres Commando 40, 42 et 45. Le commando 42 deviendra le Maritime Operation Commando, spécialisé en contre-terrorisme, anti-piraterie et interdiction navale. Une spécialisation dans les opérations d'abordage, de protection de flotte en mer et de tir de précision avec le Maritime Sniper Team. Les commandos 40 et 45 vont être conservés mais vont être divisés en plusieurs SPTG, Special Purpose Task Groups, de 200 hommes chacun. Ces groupes plus restreints sous le format retenu pour le déclenchement d'opérations limitées sous faible préavis. La Royal Navy énonce par exemple des raids dans la profondeur visant des objectifs précis. On peut imaginer des assauts sur des installations portuaires ou aéroportuaires, centrales énergétiques, etc. Deux entités temporaires ont aussi vu le jour, la première est la Very High Readiness Lead Commando Group. Son objectif est de rassembler un maximum de capacités des Royal Marines pour effectuer une couverture de théâtre où la Grande-Bretagne serait seule. Des exercices doivent valider ce concept, notamment en engageant en profit de la brigade, un porte-aéronef classe Queen Elizabeth et les bâtiments amphibies restants de la Royal Navy. La seconde entité, plus concrète, est la Vanguard Strike Company. Créée en juillet 2020, c'est une unité de test de 150 commandos qui a pour mission de valider dans la pratique tous les équipements concernés par le programme FCF, Future Commando Force, et s'est attelée en priorité à l'emploi des drones devant doter les futurs Autonomous Advanced Force pour donner au plus vite une meilleure autonomie tactique à la brigade. Les opérations. C'est le grand retour au combat littoral pour les Royal Marines. Qu'ils soient purement amphibies ou transmilieux, une action qui voudrait dans la théorie diminuer la vulnérabilité et l'empreinte des hommes déployés. Les déploiements seraient effectués par des unités de plus faible volume au plus près des zones de tension. 3 grandes zones d'intérêt ont été définies pour détacher de manière plus permanente des contingents. Le bassin méditerranéen, l'Arctique et la péninsule arabique. Concrètement, les exercices en Norvège restent une tradition, un héritage de la guerre froide dans les zones de déploiement prioritaires des commandos. Des essais de matériel dans l'Arctique ont été menés, notamment avec le célèbre BVS-10, bien connu en France. Les détachements dans les pays baltes se renforcent aussi dans le cadre de la sécurisation frontalière et l'apprentissage du terrain local.
Qui dit faible volume, dit grande spécialisation. En l'occurrence, le format au cœur des commandos va être changé, et les Royal Marines seront encore plus polyvalents que précédemment. En plus des compétences classiques de fusillés, de démolition, de navigation ou d'emploi des outils maritimes, une couche supplémentaire sera requise. Renseignement, lutte cyber, guerre électronique, pilotage de drones et armes d'appui deviendront une nouvelle priorité dans la formation des jeunes engagés, comme chez les membres d'expérience. Ces hommes précieux évolueront au sein de Close Combat Company de 90 hommes, comprenant des sections de 12 à 16 hommes. Selon les officiers responsables de cette transition, chaque section produira les effets d'une compagnie déployable sous faible préavis. À méditer ou à relativiser, dans chaque session, l'initiative et l'autonomie est revue en passant des groupes de 8 à 4 hommes. Cette structure est censée améliorer la répartition des spécialités de chacun et la fluidité de la progression des combattants. Passons à l'équipement. Commençons par le niveau individuel avec un nouvel uniforme fourni par Cry Precision. Sa particularité est le motif camo multicam. Différent de celui de la British Army, fabriqué moitié coton, moitié nylon, c'est un compromis entre résistance et légèreté, qui de plus a une propriété de séchage rapide, essentielle après l'assaut d'une plage. En plus de nouvelles et plus légères protections balistiques, l'arme standard du fantassin change aussi. Adieu le bullpup et place à la carabine Yamako C8, la version canadienne du M4. La mitrailleuse du groupe, elle, restant la L7. Le chef de section se voit adjoindre sur l'un des avant-bras une tablette permettant de bénéficier des images du drone engagé à ses côtés et de partager les informations tactiques. Au niveau collectif, les sections d'appui disparaissent. Leurs armes seront réparties entre les groupes afin de ne pas se trouver dans des situations de déficit capacitaire comme il y a pu en avoir en Irak. Les groupes de combat sans armes anti-char, alors que les SVBIED blindés prenaient d'assaut leur position. Les lanceurs javelins, les mortiers, les lanceurs martlet, sol-sol et starstreak, solaire, seront plus équitablement répartis. Des systèmes anti-drones sont aussi au programme, mais surtout l'arrivée au niveau de la brigade de drones sous-marins Remus. Ceux-ci ont montré leur plus-value au cours de l'exercice où de leur utilisation permet de cartographier les zones de débarquement et de déminer les approches. Enfin, pour les véhicules, de nombreux essais concluants ont été menés et permettent de motoriser les commandos dans toutes les conditions. Le Jackal continue son service, bien sûr, mais il sera accompagné désormais de buggies et de quads. Jet ski et motoneige font aussi partie de l'inventaire pour favoriser la transition entre les milieux. Pour conclure, ce n'est que le début de ce mouvement de modernisation des Royal Marines qui fera évoluer leur manière de combattre. C'est toute une partie du tissu industriel et technologique britannique qui se retrouve impliquée dans ce processus par la réorientation des richesses nationales. Le bien fondé de cette réforme n'apparaîtra qu'à la lueur des premières opérations de la Navy impliquant des raids terrestres ou la stabilisation de conflits existants. Fidèles à leur combativité et leur tradition séculaire, les bootnecks seront encore une fois le fer de lance des intérêts britanniques. Père Marais, Père Terram.